Voici Gaïm. On est à l'hôpital pour enfants parce qu'il doit faire une chirurgie à ses dents. Il y a ses dents qui sont noires. On est venu ici pour qu'il puisse avoir cette chirurgie. On a entendu tellement longtemps, mais tellement longtemps, presque un an, juste pour qu'il puisse avoir ça. Alors aujourd'hui, voilà. C'est un bon cadeau, puisque bientôt, ça sera son anniversaire, le 18 février. Aujourd'hui, on est le 9. Il va avoir des dents tout propres, tout beau pour son anniversaire. Vous voyez, c'est à l'hôpital pour enfants, ici à Edmonton. C'est juste, on est dans une cubicule. Oh, the blanket for him? Ah, ok. Yeah, thank you. Yeah, voilà. Là, on l'a porté une couverture chauffante. Une couverture chaude, pas chauffante. Hein, Gagou? C'est chaud, hein, champion? Tu aimes ça? Oh, tu aimes ça, regarde. La couverture est chaude. Voilà. Champion. Hmm? Thank you. Tu as vu, Gagou? Ils ont fermé la barrière là pour ton lit. Hmm? Je ferme l'autre. Bon, voilà. Ça va, champion? Oui, hein? On attend. La chirurgie, elle est prévue pour 10h30. Voilà l'heure maintenant. On attend. Des fois, ça peut être long. Ça peut être long parfois. La chirurgie, c'est à 10h30. Et puis, ils ont demandé d'être là pour 8h. Donc, pour 8h, 7h30, quelque chose comme ça. Donc, on est là. Ils viennent d'être installés sur les lits. Voilà les messieurs, les petits hommes. Hein, Gaïm? Ça va? Tu veux manger? Mais tu peux rien manger, mon amour. Tu peux rien manger parce que c'est la chirurgie. Tu sais qu'avant la chirurgie, il ne faut pas manger, hein? Ici, c'est le cubicule, là où il se trouve. C'est pas vraiment une salle. Si la façon qu'ils font les choses, c'est un cubicule, en fait. Il y a tout ce qu'il a besoin et puis c'est fermé avec des rideaux. Vous voyez, il y a plein d'autres cubicules comme ça. Et puis, ils ferment devant avec un rideau comme ça. Ici, il y a un lavabo. Puis, il y a les papiers pour essuyer les mains. Les instructions de comment se comporter dans ici, sur... à l'hôpital, donc voilà. Comme il peut pas, non pas qu'il peut pas, mais il avait pas accepté qu'on les lave en étant réveillé. C'est pas une chirurgie vraiment qu'il peut faire s'il est endormi là, mais bon, comme lui, son cas c'est un peu différent, donc c'est pourquoi il faut l'endormir. Malheureusement. Voilà. Donc c'est ça. On attend. Bientôt ils vont venir les chercher. Hein, Gaïm, ça va? Tu fais les bébés là-là d'amour? Trésor d'amour. Yeah, he likes to smile. Yeah. Gagou, tu es le bébé éternel à maman? Hmm? Tu es le bébé éternel de maman, hein? Mm. Ouais, mais oui, c'est toi. Tu es le champion de ta mère. Mm. Hmm? Vous voyez quand il rit, ses dents, la façon qu'ils sont noirs, c'est ça là qu'on va aller enlever. Faut tout laver ça. Tout, 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 tout. Voilà.
voyez le noir. Voilà, champion. Fais coucou. Fais coucou, Gagou. Fais coucou avec ta main. Avec ta main gauche. C'est fini? Tu veux plus? Et là, il dit c'est fini. Il n'a plus envie d'être filmé. Angayem, dis bye bye alors. Dis bye bye. Oui, si c'est fini, dis bye bye. Là, ça veut dire c'est fini. Je ne vais plus. Ok, dis bye bye alors. Fais bye bye avec ta main. Fais bye bye. Kayem. J'ai compris, c'est fini. Fais bye bye. Comment on fait bye bye? Fais attention. Attention, trésor. Il ne faut pas te faire bobo. Où tu vas? Où tu vas, champion? Oui, je sais, c'est fini. Là, tu penses que tu vas partir à la maison? Non. C'est pas l'heure de partir. Fais bye bye à la caméra. Je pensais que c'est fini, qu'il dit c'est fini de filmer, mais c'est fini, il veut partir à la maison. On va partir à la maison après, ok, Gaëm? D'accord, trésor? On n'a pas encore fini, tu n'as pas encore lavé tes dents. Tu sais ça? Tu n'as pas lavé tes dents, Gaëm. Bye bye. Ok, j'ai compris. Bisous, mon amour. Bye. Qu'est-ce que tu es beau, Gaëm? Tu as vu comment tu es beau? Tu es un très beau garçon, hein? Tu as vu? T'es beau, Gaëm. Bébé Lala de maman. Là, il va avoir 15 ans le 18 février. N'est-ce pas, champion? Bye, mon amour. Bisous. Mouah.